Bonjour, bienvenue sur Une voix qui porte. Avant tout, j'aimerais remercier mes premiers tipeurs. Vos contributions m'ont permis d'acheter le micro que j'utilise actuellement. L'une d'entre vous m'a demandé la séance d'aujourd'hui. Merci pour cette suggestion et bonne séance à vous. À présent, je vous invite à vous installer confortablement, allongé ou assise, assis, surtout bien calé, bien calé, bien calé. Je sais que cela peut prendre un peu de temps. Prenez ce temps pour vous. Nous sommes là pour ça, pour prendre ce temps pour vous, pour se détendre. Installez-vous bien, les jambes décroisées, dans un environnement tranquille, tranquille, tranquille. Le téléphone en silencieux, détendu, détendu. Il est important de bien comprendre que selon la réceptivité des gens, l'hypnose peut avoir un effet très puissant. Entendez bien. C'est pour cela qu'il est important d'être bien calé, assis ou allongé, afin, voyez-vous, de pouvoir vous décontracter complètement, en toute sécurité, parfaitement bien. Prenez votre temps. Je vous propose une séance d'hypnose destinée à bien vivre une période de stress inévitable. Un stress qui vient de l'extérieur. À vivre cette période plus sereine, plus serein. Évitez l'épuisement et à vous préserver, préservez vos ressources intérieures, intérieures, votre intégrité. Vous préservez vous-même, tout simplement. Trouvez des solutions efficaces et immédiatement utilisables. Des réflexes de protection, de préservation. Cette séance intervient en complément de celle que j'ai déjà faite sur la gestion du stress et l'évacuation de la pression. J'éviterai l'érudite. C'est pourquoi, avant de commencer, sachez que vous tirerez certainement un grand bénéfice à faire ou refaire dans les jours à venir cette séance destinée à le réduire et dont je viens de parler, et qui est disponible sur cette chaîne. En période de stress important et inévitable, en plus de l'entraînement à la résistance au stress d'aujourd'hui, je vous conseille de faire une cure de magnésium, de vitamines et surtout d'évacuer la pression excédentaire chaque jour. Par exemple, avant de vous reposer, en faisant de l'exercice ou du sport, de la méditation, du chant, en parlant avec des proches, en riant, et autres solutions saines qui vous conviennent. Enfin, n'oubliez pas que dans cette situation, il est important de marquer une rupture franche entre la période stressante et la période de repos, qui doit être sanctuarisée, sanctuarisée d'une certaine manière. Marquez la transition par un rituel simple comme par exemple, avec vos mains, faire le mouvement de fermer une porte. Allez-y. Faites-le pour l'ancrer dans votre corps. Faites ce mouvement. Celui de fermer une porte. Ou bien encore le mouvement de tourner une page, si vous préférez. Si jamais la situation est encore présente dans votre esprit, alors, ajoutez à votre rituel le mouvement de fermeture d'une serrure à clé et mettez la clé dans votre poche par votre imagination. Ou si vous avez choisi l'image du livre, le fait de le poser dans une armoire fermée à clé pour le sceller. Dites-vous à vous-même, c'est terminé, je peux me détendre. Au moment où vous le faites, vous faites le mouvement et vous vous dites
c'est fini, je suis au calme, ou c'est terminé, je peux me détendre. En respirant profondément, de manière à remplir vos poumons d'air, vous réoxygénez. Votre subconscient comprend et intègre ainsi la rupture, le changement de moment dans la journée, dans la semaine. La transition est faite, votre subconscient s'autorise à se détendre réellement, à se reposer, à lâcher prise après ce rituel clairement compréhensible. Ainsi, votre temps de repos est préservé. Votre sommeil est préservé, c'est l'essentiel, et il pourra vous offrir les ressources de régénération profonde dont vous avez besoin pour passer cette période. L'hypnose constitue en effet un accompagnement particulièrement efficace car elle permet d'influencer les ressentis, les habitudes, qu'il s'agisse d'action ou de pensée. Vous le savez déjà car vous avez choisi de faire cette séance. L'hypnose permet d'agir sur un large panel d'états de conscience. C'est pourquoi elle est une solution de prédilection pour vous lorsqu'il s'agit de prendre du recul sur une situation vécue. Bien entendu, il s'agit d'un accompagnement de votre démarche personnelle, d'un complément, d'une démarche globale proactive. Vous pouvez à présent vous concentrer sur ma voix et la laisser prendre toute sa place à l'intérieur de vous. La laisser résonner en vous, profondément en vous, tout en douceur, paisiblement. Ensuite, je vous demanderai de jouer le jeu, de faire comme si, comme font les enfants. Avec votre imagination, votre pensée, afin de bien arpenter le chemin, tandis que je vous guide profondément, profondément, profondément. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1. Je claquerai les doigts et vous vous réveillerez de transe, sans effort, parfaitement bien, calme et sereine, serein, prête, prêt à reprendre le cours normal de la journée. En forme, positive, positif, revigoré, comme après une bonne sieste. Maintenant, vous allez entrer en vous-même. En douceur, progressivement et profondément, juste en écoutant ma voix. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté. Pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous aide, ce qui vous fait du bien, vous relaxe, vous enrichit. De la même manière, si jamais vous étiez interrompu pendant cette séance, vous retrouveriez instantanément toutes vos facultés afin de pouvoir réagir normalement, comme d'habitude. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé, rassurant, en parfaite sécurité, en parfaite sécurité, en parfaite sécurité. Nous allons prendre une respiration profonde en gonflant le ventre et le thorax afin de se relaxer, se relaxer, se relaxer. C'est maintenant. Voilà, vous pouvez vous laisser aller en vous-même, descendre profondément, 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 comme on glisse sur un toboggan, avec joie. Laissez-vous aller
profondément en vous-même, en vous-même, en vous-même, comme on se laisse porter par un escalator, sans effort, sans effort, sans effort. Le corps se relaxe simplement. Peu importe ce que cela signifie pour vous, lourd, engourdi ou peut-être léger, léger, léger. C'est bien de cela qu'il s'agit. Votre subconscient sait de quoi je parle. Détendu, détendu, détendu. Les yeux qui veulent se fermer ou rester fermés. En douceur, en douceur, en douceur. Vous pouvez les laisser faire sans effort. L'esprit conscient s'éloigne tranquillement. Tranquille, tranquille. Les mains retombent mollement. La bouche s'ouvre doucement, profondément, 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 en vous-même. La sensation de relaxation qui se développe autour de la mâchoire et de son articulation, comme une chaude lumière bénéfique et vraiment satisfaisante, satisfaisante, satisfaisante. Vos dents, elles-mêmes, donnent l'agréable sensation de s'écarter les unes des autres, de se détendre, se détendre, se détendre. C'est très relaxant, comme une tension qui disparaît soudain. C'est étonnant et pourtant vrai. Vous avez l'agréable sensation que votre cerveau lui-même se décontracte, relaxé, relaxe, relaxe. Qu'il se mette en repos, un repos merveilleux. C'est une sensation magique, vraiment très agréable, tandis que vous continuez à plonger, à glisser, à descendre profondément dans vous-même. Il suffit de se laisser aller avec bonheur et délectation, descendre plus profond à chaque respiration, toujours plus profondément dans vous-même, apaisé, 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 relaxé. Laissez-vous porter comme sur un escalator. La respiration est calme et régulière, calme et régulière. Douce et régulière. Elle le sera toute la séance. Je vais compter de 1 à 5 et à chaque chiffre, vous vous détendrez de plus en plus. Quand je dirai le mot « bascule » et que je claquerai des doigts, vous allez entrer en transe, en douceur, en douceur, en douceur. Plonger en vous-même, calme, calme. Profondément dans vous-même, là où vous êtes tellement bien. Et je vais produire en vous un changement positif, une métamorphose qui vous permettra de renforcer votre capacité à résister à un stress subi, d'apprendre à évacuer la pression accumulée et devenir plus sereine, plus serein, plus confiante, confiant, car vous serez profondément armé, équipé mentalement, renforcé de l'intérieur, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Et s'il y a des bruits autour de vous, proches, lointains, dans votre corps ou en dehors, ils vous emmèneront plus profondément en transe, comme une berceuse emmène un enfant au doux pays des songes. Je vais compter maintenant. 1. Laissez-vous aller profondément dans vous-même. Votre corps se relaxe profondément, les yeux fermés en douceur. La respiration est calme et régulière, douce et régulière, deux fois plus profondément. Vous vous relaxez. Vous pouvez vous laisser aller en vous-même, descendre en vous-même profondément, calme,
les yeux fermés, le corps va atteindre un degré de relaxation tel qu'il va comme disparaître totalement. Vous ne le sentirez tout simplement plus, tandis qu'il sera stable et vous serez merveilleusement bien. 2. De plus en plus loin, vous êtes bien, détendu profondément. De plus en plus profondément dans vous-même, vous descendez, vous plongez plus profondément. C'est tellement agréable. Laissez-vous aller. L'esprit est 2 fois plus détendu que le corps. Les pensées vont, viennent, tournent, se retournent, s'éparpillent librement, comme des bulles de savon dans le vent. 3. 2 fois plus profondément maintenant. En vous-même, dans un bien-être intense, merveilleux, dans le plus agréable des conforts, vous approfondissez cet état confortable, l'esprit 2 fois plus détendu que le corps. Vous êtes si bien maintenant, si relaxé, tout est si doux. 4. Vous doublez votre relaxation maintenant. Vous êtes si bien, plongé en vous-même, si détendu. C'est une expérience magique. Laissez-vous glisser en vous-même, dans le bien-être le plus complet. Votre esprit est 2 fois plus détendu que votre corps. 5. 1000 fois plus profond maintenant. Vous êtes plongé profondément en vous-même, parfaitement relaxé. Là, il y a une porte. Elle mène à un endroit qui vous est familier. Un lieu où vous vous sentez bien par-dessus tout. Parfaitement bien, parfaitement détendu, en parfaite sécurité, en parfaite confiance. Ouvrez la porte, vous pouvez maintenant entrer. Bascule, vous êtes si bien maintenant, si bien, tellement détendu. Profitez de tout ce bien-être. Je vous invite tout simplement à imaginer, à penser que vous avez une tablette ou un smartphone dans votre main et qu'à l'écran, par le biais de cet écran, vous vous voyez vous-même dans la situation qui vous stresse habituellement, mais par l'intermédiaire d'un écran. Ce n'est qu'une vidéo et vous-même restez donc parfaitement détendu, à l'aise. Visualisez ce double, ce vous qui est dans cette situation, ce vous-là, et remarquez comme il garde son calme. Elle, il respire profondément. Ce vous auquel vous pensez a visiblement des ressources efficaces qui lui permettent de rester profondément calme. Il semble presque rayonner de sérénité. 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 Admirez ce double qui a cette force en lui et voyez comme il résiste à la pression qui semble comme glisser sur ce vous. Glisser. Glisser. Sans vous toucher. Glisser et partir loin. Et tandis que vous voyez ce vous fort, stable, calme et équilibré, vous sentez que vous allez pouvoir devenir ce vous, jour après jour, petit à petit, progrès après progrès, jusqu'à devenir une seule et même personne aux ressources profondes. Je vous invite à présent à penser à cette situation et à dire « Je reste calme, je me préserve. » À vous maintenant. Très bien, je reste calme, je me préserve, c'est parfait. L'un des secrets consiste à apprendre à utiliser une bulle de calme, une bulle de protection puissante
autour de vous. Une bulle de calme. Imaginez, pensez à une bulle de calme qui se déploie autour de vous par votre simple volonté. Les bruits parviennent assourdis. Tout est plus lent, plus relaxant, plus doux. C'est votre bulle de calme et je vous invite à vous en servir lorsque vous en ressentirez le besoin. Et plus vous l'utiliserez, plus elle se renforcera. Dans cette bulle, vous pourrez vous isoler et respirer profondément et calmement. Restez dans une forme de silence intérieur, de bien-être, afin de vous préserver. Les bruits, les odeurs, la lumière, les mots, tout y parvient d'une manière lointaine et atténuée. Rien ne peut vraiment vous atteindre. Vous bénéficiez d'une protection parfaite. Cette bulle renvoie vers l'extérieur les agressions sonores, gestuelles ou verbales, comme un boomerang. Les choses stressantes rebondissent purement et simplement dessus. Et jamais leur impact négatif ne vous atteint. Ainsi, vous êtes parfaitement protégé. Et dans cette situation sur laquelle vous prenez petit à petit la main, afin de pouvoir évacuer la pression, si vous en ressentez le besoin, je vous autorise à vous exprimer. Autorisez-vous vous-même à vous exprimer, c'est important, à l'oral, à l'écrit, verbalement et physiquement, à exprimer votre ressenti, peut-être vos limites, vous exprimer pour résister, pour évacuer de la pression, vous exprimer par le verbe ou par le corps, toujours dans le respect de vous-même, dans le respect des autres. S'exprimer constitue une forme de résistance au stress et permet d'évacuer de la pression au fur et à mesure, petit à petit dans la journée. Comme une cocotte minute vide le trop-plein, pensez à vous-même, vous exprimant respectueusement. Entendez, voyez, vous êtes une personne importante. Vous êtes, pour vous-même, la personne la plus importante du monde. Vous avez le droit d'exprimer vos ressentis, vos pensées, peut-être de dire non, ou peut-être de dire stop, lorsque vous sentez vos limites approcher. En fin de journée, je vous invite à faire ces rituels de transition vers le calme dont je vous ai parlé. Fermez une porte, et pourquoi pas fermer à clé. Pensez au clic de la serrure. Pensez à cette clé froide dans votre main. La mettre dans votre poche, respirez profondément et vous dire « c'est terminé. Ce moment est pour moi, désormais. Je peux me détendre, être bien. » Si vous préférez utiliser l'image du livre, c'est vous qui voyez. L'important est de permettre à votre subconscient de bien distinguer les moments et préserver, renforcer, nourrir votre royaume de paix intérieure. Cet espace de bien-être qui n'appartient qu'à vous et dans lequel vous pouvez vous ressourcer profondément, profondément, profondément. Vous pourrez alors chaque jour vous féliciter d'avoir tenu le coup. Vous félicitez pour votre renforcement progressif. Vous le constaterez déjà dans les jours qui viennent. C'est très important de se féliciter, de célébrer. Et vous retrouverez alors votre havre de sérénité. Bien dormir. Bien vous régénérer. Retrouvez vos forces la nuit. C'est essentiel. Prendre le temps
de se ressourcer tout simplement. À présent, je vais compter de 5 à 1 et vous allez doucement sortir de cette transe. Sortir doucement de cette transe, doucement, tranquillement, reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Quand vous vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique, en forme, comme après une courte sieste. Et vous vous souviendrez avoir passé un moment formidable, détendu, que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. Je vais compter de 5 à 1. 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, paisiblement, conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau, conscience des odeurs subtiles autour de vous, conscience des petits bruits alentour. Vous vous sentez bien, une forme de réveil s'amorce très tranquillement, dans le bien-être, reposé. 4. Vous percevez comme de la lumière à travers vos paupières, qui commence à bouger un peu. C'est comme vos doigts, que vous bougez doucement, relaxé. 3. Votre conscience refait surface, un peu comme au réveil le matin. Vous commencez à avoir envie d'ouvrir les yeux. Vous vous sentez ressourcé, en paix avec vous-même. Vous sentez que vous vous êtes offert un cadeau, une vraie chance de changer positivement, tout simplement à reprendre la main sur votre capacité à trouver des ressources pour vous apaiser en période de stress et à évacuer la pression, à vous renforcer intérieurement grâce à cette séance, mais surtout grâce à vous-même. 2. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Vous êtes remonté à la surface entièrement maître de vous-même, pleinement consciente, conscient. Profitez encore quelques instants de tout ce bien-être, de cette relaxation. Et lorsque je dirai 1 et que je claquerai des doigts, vous aurez entièrement repris conscience et pourrez, tranquillement, reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée. Consciente, conscient, de vous être offert une vraie chance, un moment de bien-être et d'épanouissement. Bravo à vous. 1. Vous pouvez reprendre votre journée ou votre soirée. Pensez à vous abonner et à partager. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les nouveautés. Merci pour cette écoute. Bravo pour être arrivé à la fin, pour vous être accordé ce moment. C'est tout à votre honneur. Si vous avez aimé cette séance, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en haut à droite sur la bannière et dans le texte sous la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.